toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition du journal. Voici le sommaire. Lancement de l'inventaire forestier national acte 2. Le gouvernement travaille à renforcer la capacité de l'administration forestière au Bénin. Pour une fois de plus, le ton est donné par le ministère du cadre de vie du développement durable. Remise d'un lot de 100 000 doses de vaccins russes Sputnik Light en faveur du Bénin. Le don est du gouvernement de la Fédération de la Russie, ceci pour l'appuyer dans sa politique de lutte contre la Covid-19. Hors du Bénin, Bamako réagit à l'expulsion de l'ambassadeur français. Les autorités maliennes ont justifié cette décision par les récentes déclarations hostiles de responsables français. C'est à leur encontre. Les détails dans un instant. À nouveau bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette tranche de l'actualité sur Speed Line Télévision. Le gouvernement travaille à renforcer la capacité de l'administration forestière au Bénin et pour une fois de plus, donner le ton, le ministère du cadre de vie et du développement durable a procédé au lancement de l'inventaire forestier national acte de le compte rendu à travers ce reportage. Cet atelier, qui réunit une trentaine de forestiers, est consacré au lancement de l'inventaire forestier national acte 2. L'acte 1 a pris fin en 2017. Ce programme est un outil pour renforcer les capacités de l'administration forestière béninoise. Nous attendons des données fiables pour connaître, entre autres, la densité des lieux de nos formations forestières, la représentativité de chaque type de formation forestière. L'inventaire forestier, c'est de connaître quelles sont les espèces que nous avons. On va mesurer les arbres, aussi bien leur diamètre que leur hauteur. On va estimer des caractéristiques de caractérisation pour pouvoir voir combien ça peut correspondre en matière carbone. Avec plus d'innovation que le précédent inventaire, ce programme bénéficie de l'appui de l'Union européenne. Il s'agit d'une mission de grande envergure qui implique plus de 60 cadres de la Direction générale des eaux, forêts et chasse, et guides, et une équipe de plus de 15 experts. Ce sera donc un effort commun pour assurer une collecte et un contrôle des données solides. Pour que sur les 10 ans qu'il y a devant nous, nous puissions être confortables dans la gestion durable de nos ressources forestières, par les effets pervers du changement climatique. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous dire que vous avez ma disponibilité pour conduire cette opération essentielle pour nous, mais je souhaite qu'elle soit conduite avec la rigueur nécessaire, avec le professionnalisme qu'il faut. À l'issue des travaux, les acteurs paraissent aptes à changer le visage de l'administration forestière béninoise. Le gouvernement de la Fédération de la Russie a procédé à la remise d'un lot de 100 000 doses de vaccin russe Sputnik Light au Bénin, ceci pour l'appuyer dans sa politique de lutte contre la Covid-19. La cérémonie a connu la présence de l'ambassadeur russe et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé au Bénin. Voici ici le compte-rendu de la cérémonie. La Russie apporte son soutien au Bénin dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. C'est à travers un don de 100 000 doses de vaccin russe Sputnik Light. Un geste qui vient à point nommé. L'année 2022 est marquée par la 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Bénin et la Russie. Sputnik V a été déjà autorisé par 171 pays. Avec une population totale plus de 4 milliards dans le monde entier. Et Sputnik Light que nous avons donné chez vous, à vous, est déjà enregistré dans presque 30 pays. Chers collègues, cette année est marquée par le 60e anniversaire d'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, entre la Russie et le Bénin. Et ce don de la partie russe montre l'attachement continu de la Russie au développement des relations traditionnelles amicales entre la République du Bénin et la Russie. À cette période difficile de pandémie, il faut agir ensemble. Et le don de vaccin Sputnik Light montre que la Russie est toujours prête à accompagner nos amis béninois
dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Après avoir remercié le pays donateur pour ce geste de solidarité et d'amitié, les autorités sanitaires béninoises rassurent de l'usage efficient des vaccins. Elles invitent tout de même la population à se faire vacciner. Ce don s'inscrit sans nul doute, comme vous l'avez rappelé, dans la dynamique de renforcement de notre coopération et traduit la bonne qualité des relations d'amitié qui lient nos deux pays, nos deux peuples, et dont nous célébrerons cette année, comme l'avait dit, le 4 juin prochain, le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République du Bénin et la Fédération de Russie. Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler aux populations que face à la pandémie de Covid-19, la vaccination reste et demeure la porte de sortie la plus sûre. Je prie donc tout un chacun de ne pas céder à la sirène de l'infodémie et ainsi de ne pas retarder sa vaccination. C'est aussi pour moi le lieu de dire mes félicitations aux gens de santé de tout ordre pour leur engagement dans la vaccination et les inviter à poursuivre les efforts afin que le taux de couverture vaccinale soit rapidement atteint. Le vaccin russe Sputnik Light s'ajoute désormais à la liste des vaccins disponibles dans les centres de vaccination au Bénin dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. À la date du 2 janvier 2022, le Bénin compte 538 cas actifs pour un total de 25 522 cas confirmés, soit 24 823 guéris et 161 décès. Et toujours dans cette édition, on s'intéresse également au consortium Social Watch Bénin qui a lancé le projet de renforcement du cadre normatif, législatif et institutionnel de la santé sexuelle et de la reproduction. La cérémonie officielle s'est déroulée sous l'égide du ministre de la Santé. Voici ici les images. Un nouveau pas pour la promotion du droit à la santé sexuelle reproductive. Depuis le 1er septembre 2021, le projet d'appui au renforcement du cadre normatif et législatif et institutionnel de la santé sexuelle et de la reproduction est mis en œuvre. Il a pour objectif d'améliorer la connaissance et l'application des tests des lois en la matière. Le cadre normatif, législatif et institutionnel de la santé sexuelle a évolué avec le vote ces derniers moments de quelques lois et de la modification d'autres lois. Important de partager le projet avec les différentes parties prenantes de la santé sexuelle et de la reproduction sexuelle au Bénin. En 2021, il demeure pertinent de faire connaître et de faire évoluer davantage le cadre réglementaire et institutionnel régissant les droits de la santé sexuelle et reproductive pour qu'il soit plus favorable à la jouissance effective par les adolescents, les jeunes et toute autre personne bénéficiaire des dits droits. Enabel avait mis à disposition effectivement une enveloppe budgétaire pour appuyer des projets innovants pouvant permettre d'améliorer l'environnement juridique institutionnel pour les droits sexuels et reproductifs. Le 31 mai 2023, le projet sera à son terme. Sa mise en œuvre va permettre aux adolescents, aux jeunes et aux femmes en âge de procréer, de jouer de leurs droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Et dans cette édition, on s'intéresse à la lecture. Cet excellent moyen d'acquisition de savoir et de connaissances qui a perdu son rôle d'accès à la culture et à la citoyenneté aujourd'hui. Les jeunes apprenants préfèrent de loin l'image et bien au livre. La baisse du niveau des élèves d'aujourd'hui trouve son explication dans ce désamour pour la lecture. Pourquoi cette incompatibilité entre les jeunes et la lecture, eh bien, élément de réponse à travers ce reportage. Ce matin-là, l'élève fut sorti de son lit par un appel téléphonique des plus pressants. Dans cette bibliothèque installée au cœur de son collège, Eris, élève en classe de terminale A, dévore quelques lignes de son roman de la semaine. C'est ici qu'elle passe ses heures creuses. La lecture est sa passion, sa préférence, les livres numériques.
Eris fait partie de cette rare catégorie de jeunes en qui le feu de la passion de la laitue brûle et encore, surtout à cette ère du numérique. Le constat est général, les élèves ne lisent plus, ce qui impacte sur leur niveau de langue avec un français malmené. Les raisons profondes de cette crise de la laitue sont à chercher dans les environnements scolaires, les programmes dépassés et inadaptés. Nul doute que le livre perd du terrain face aux mille distractions qu'offrent les écrans de télévision, des smartphones et autres tablettes. La baisse du niveau des élèves constatée y trouve son explication. Et en parlant du métier de fleuriste, l'activité consiste à l'entretien des fleurs et ce sur tous les plans et dans tous les domaines. Les plantes et les fleurs représentent des éléments indispensables pour le bien-être de tout être humain. Désormais donc, elles jouent plusieurs rôles dans la spiritualité et sont diversifiées. Mais les fleuristes qui s'en occupent sont confrontés à des difficultés. Les plantes et les fleurs, source de vie et de beauté, ont besoin d'entretien pour survivre. Cet entretien est fait par les fleuristes qui les produisent avec de différents ingrédients et plusieurs méthodes. Pour être un fleuriste, il faut déjà avoir la passion du métier et être prêt à dépenser de l'énergie physique. Un fleuriste, comme il y a fleuriste, c'est que nous produisons des fleurs, des plantes ornementaux, des plantes à raies, des différentes variétés de plantes qui, c'est-à-dire des plantes qui évoluent chez nous, surtout dans des pays tropicaux. Donc c'est ce genre de plantes-là que nous produisons ici. Donc on le fait par bouturage, par graines, aussi par macotage, tout ça là. Tout d'abord, c'est la passion. Quand tu n'as pas la passion, toi, tu le fais pour la nature. Et la nature te récompense après. Et ça. En tout cas, le travail de fleuriste, là, ce n'est pas un travail de paresseux. Si tu es un paresseux, là, tu ne peux pas faire. Sinon, ce travail, ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup d'énergie, quoi. Donc, ceux qui
n'aiment pas trop dépenser leurs énergies là. Ils ne peuvent pas faire ça. Le fleuriste est également amené à travailler dans les maisons. Il s'occupe du suivi des plantes achetées par les clients quand ces derniers décident de faire un abonnement. D'abord, et si nous avons, nos marchés, si nous avons des chantiers, nous utilisons aussi pour les chantiers aussi. Sinon, les clients viennent payer ces plantes-là aussi chez nous. Des fois, il y a d'autres, on les accompagne pour les planter. Et tout ça, là, c'est ce que nous faisons ici. Normalement, si quelqu'un finit de faire sa maison ou bien c'est une boutique, n'importe où, ça, la première des choses, c'est de venir voir un fleuriste et vous l'amener chez vous. Il va vous indiquer les plantes à mettre. Et quand on finit de mettre ça, on fait un abonnement. Donc, par semaine, même par 15 heures, tu peux passer voir les plantes. Si les plantes sont malades, tombent malades comme les êtres humains aussi. Donc, tu viens, c'est un abonnement. Plusieurs variétés de plantes existent et certaines parmi elles jouent le rôle de porteurs de chance. Par contre, certaines éloignent les esprits malveillants. Les fleuristes rencontrent quelques difficultés pour mieux exercer leur travail. En ce qui concerne les plantes, on a plusieurs variétés de choses. Plusieurs même. On a des crotons, on a des hibiscus, on a des rosiers, on a des marguerites. Un peu de tout. Il y a des plantes où vous mettez dans votre maison, ça éloigne les mauvais esprits, ça attire les chances comme, les verveines, vous voyez, non? Et il y a aussi les hysopes, par exemple, les hysopes de l'Inde, par exemple, maintenant, c'est une plante qui éloigne les mauvais esprits. Et puis beaucoup de clients aiment toujours à ce qu'on leur mette ça dans leur maison. Et puis, c'est très efficace. Dans notre métier, bon, la première difficulté qu'on rencontre dans notre métier, problème d'emplacement. Parce que pour faire les espaces verts, des fleurs comme ça, là, il nous faut de l'emplacement, un grand emplacement, quoi. Donc, on a cette difficulté à trouver un bon emplacement pour installer nos plantes, quoi. Le métier de fleuriste, un métier qui ne finira jamais de faire ses preuves, car les passionnés s'y attacheront toujours et les plantes ne cesseront jamais d'émerveiller la terre entière avec leurs vertus. Et pour les informations hors du Bénin, direction le Burkina Faso, des membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'ONU ont rencontré le président déchu du Burkina Faso, Roch Marc-Christian Kabore, et le lieutenant-colonel Paul-Henri Damima, nommé nouveau dirigeant du pays par la junte. Regardez. Des membres de la CDAO et de l'ONU ont rencontré le président déchu du Burkina Faso, Roch Marc-Christian Kabore, et son nouveau dirigeant, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Leader du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, Damiba a été nommé nouveau président du pays par la junte lundi. La chef de la délégation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'est montrée optimiste quant à cette rencontre. Nous avons eu des discussions très franches avec l'équipe et avec le chef de l'État. Nous sommes également venus rendre visite au président Kabore. Nous allons revenir et rendre compte à la CDAO des discussions que nous avons eues. Nous ne pouvons pas en divulguer les détails, mais nous pouvons dire que nous sommes venus voir le président Kabore. Et en apparence, nous pouvons dire que nous avons eu une bonne conversation avec lui et qu'il est en bonne santé. Le bloc régional a suspendu le Burkina Faso la semaine dernière, mais malgré cela, la chef de la CDAO a promis de continuer à travailler avec les nouvelles autorités en place. La situation sécuritaire est une situation qui touche toute l'Afrique de l'Ouest et quelque chose qui va même au-delà de l'Afrique de l'Ouest en allant vers l'Afrique centrale. Et donc nous ne laisserons pas le Burkina Faso seul, nous continuerons à travailler avec le pays pour combattre cette menace de terrorisme et de conflits armés et ainsi de suite. Donc nous allons travailler avec la nouvelle administration, nous allons continuer à soutenir, la CDAO va le faire. Les dirigeants de l'organisation tiendront un sommet à Accra, au Ghana, jeudi, pour déterminer s'ils doivent imposer des sanctions au pays.
Et au Mali, on parle de la nouvelle escalade de la brouille entre Bamako et Paris. Les autorités maliennes, dominées par les militaires, ont décidé d'expulser l'ambassadeur de la France en poste depuis 2018. Une annonce faite ce lundi, eh bien 31 janvier, à la télévision nationale. L'ambassadeur français au Mali n'a plus que 48 heures pour quitter le pays. C'est en raison des propos hostiles qu'il a tenus à l'égard du pouvoir en place que Joël Meyer, diplomate en poste à Bamako, la capitale, a été sommé de partir. Explication de cette décision par le gouvernement malien à la télévision nationale. L'ambassadeur de France, Joël Meyer, n'est pas déclaré persona non grata, qui répond à une autre catégorie. Mais le gouvernement du Mali a souhaité qu'il puisse quitter le territoire national dans les 72 heures. Pour des raisons liées aux déclarations outrageuses qui ont été formulées à l'endroit des autorités de la transition que nous avons jugées inacceptables, propos que nous avons rejetés, parce que ces déclarations tendent à dire qu'à remettre en cause et la légalité et la légitimité des autorités auprès desquelles justement l'ambassadeur de France est accrédité. Cela crée une situation très difficile. Parce que vous ne pouvez pas être accrédité auprès d'autorités que vous-même, vous ne reconnaissez pas. Après avoir condamné les propos tenus par de hauts responsables français déclarant la junte malienne illégitime, le gouvernement du Mali a toutefois réitéré sa disponibilité à maintenir le dialogue avec tous ses partenaires internationaux, y compris la France. Ce différend que nous avons avec la France ne touche pas les ressortissants français qui sont parmi nous, ni les entreprises françaises qui peuvent continuer à vaquer normalement à leurs occupations ici. Les Français restent les bienvenus au Mali. L'ambassadeur français Joël Meyer a été nommé à Bamako en octobre 2018. Et par rapport à cette expulsion de l'ambassadeur français, les autorités maliennes ont justifié leur décision par les récentes déclarations hostiles du responsable français à leur encontre. Voici ici les détails. Dans les rues de Bamako, la crise diplomatique entre les autorités maliennes et Paris est dans tous les débats. À l'école normale supérieure, certains étudiants ont plutôt bien accueilli l'expulsion de l'ambassadeur français de Bamako. Tant qu'on ne nous respecte pas, que ce soit la France ou les autres occidentaux, si tu ne nous respectes pas, on ne doit pas te respecter. Et ceux qui nous respectent, on doit les respecter aussi. Le respect est mutuel. Voilà, selon moi, c'est très bien fait. Voilà, ils vont apprendre à nous respecter à travers les actions à venir. Les autorités maliennes actuelles ont bien compris le contexte sécuritaire et ont voulu qu'elles soient accompagnées par des partenaires. Et malheureusement que cette compréhension n'est pas du tout à l'ordre par rapport à notre partenaire français. Alors, ce qui a fait que depuis un certain temps, il y a eu des remue-ménages. Finalement, ça a débordé jusqu'à des injures, des invectives, comme le dit notre ministre des Affaires étrangères. Cette expulsion de l'ambassadeur a scellé la crise diplomatique débutée il y a quelques jours entre les deux nations. Les autorités maliennes ont justifié cette décision par les récentes déclarations hostiles de responsables français à leur encontre. L'actualité, c'est aussi le Rwanda et l'Ouganda. Près de 3 ans après sa fermeture, le principal poste de Gatuna officiellement a ouvert ses portes à minuit ce 31 janvier 2022. Toutefois, les difficultés liées aux restrictions de la COVID-19 ont empêché certaines personnes de traverser la frontière en question. Le Rwanda et l'Ouganda rouvrent leurs frontières communes. Près de 3 ans après sa soudaine fermeture, le principal poste de Gatuna, appelé Katuna en Ouganda, a officiellement rouvert ses portes à minuit le 31 janvier 2022. C'est après une rencontre entre le président rwandais Paul Kagame et le fils du président ougandais Yoweri Museveni, Muuzi Kainerugaba, que l'annonce avait été faite.
Tout est génial. Nous remercions le Seigneur que la frontière soit rouverte. C'est vraiment bien qu'elle ait été rouverte et nous en sommes heureux. Avant la fermeture de la frontière en février 2019, les exportations ougandaises de ciment et de denrées alimentaires vers le Rwanda ont totalisé 211 millions de dollars en 2018. Le Rwanda exportait pour 13 millions de dollars de marchandises vers l'Ouganda cette année-là. Nous perdions beaucoup de notre argent parce que nous ne pouvions pas traverser la frontière. Parfois, lorsque vous vouliez acheter quelque chose, vous deviez le faire par le biais de l'argent mobile. Maintenant, nous sommes heureux que le problème ait été résolu. Une réouverture bienvenue qui a toutefois rencontré quelques soucis pendant la nuit liés aux restrictions de la Covid-19 différentes dans chaque pays. Au poste frontalier de Gatuna, des Rwandais se sont plaints de ne pas être autorisés à traverser, par exemple, et des retards ont été signalés du côté ougandais. Les responsables de la santé rwandais et ougandais travaillent sur des protocoles Covid communs. Et c'est avec la Birmanie que nous allons finir et nous allons parler de la commémoration de l'anniversaire du coup d'État. C'est avec, dans le silence, que les Birmanes ont choisi de marquer cet anniversaire du coup d'État. Et c'était il y a un an. L'armée prenait donc le pouvoir et depuis, toute opposition est réprimée. En Birmanie, les rues des grandes villes quasiment désertes. Une grève silencieuse, c'est la manière choisie par la population pour commémorer l'anniversaire du coup d'État. C'était il y a un an, l'armée renversait les institutions et prenait le contrôle du pays. Un an de répression de toute contestation. Aujourd'hui, les opposants parlent sous couvert d'anonymat, comme cet homme qui raconte que de nombreuses personnes sont tuées chaque jour sans que personne ne s'y intéresse. La junte commet toujours des crimes contre l'humanité. Elle arrête des civils, elle incendie des villages et mène la guerre contre les forces de défense du peuple dans les régions. Et on est toujours confronté à la torture et à l'oppression. À Mandalay, deuxième ville du pays, des manifestants ont bravé l'interdiction de manifester et sont descendus dans les rues ce mardi pour dire leur opposition au régime militaire. Les jeunes Birmans ont goûté à la liberté et aux nouvelles technologies ces dernières années et on veut poursuivre sur cette voie. On ne veut pas faire marche arrière et replonger dans l'obscurantisme. Avec ce régime militaire, c'est comme si on s'éteignait. On perd toute opportunité. Nos vies n'ont plus de sens. Selon des sources locales, la répression qui a suivi le coup d'État a fait près de 1500 morts. Par ailleurs, 9000 personnes seraient actuellement emprisonnées pour leur opposition à la junte. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie pour la suite de nos programmes. À bientôt.